Bonjour messieurs, bonsoir mesdames. Bienvenue chez Mister Raf, la tour de contrôle de l'information H24. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir. Merci et bon visionnage. Envoyé et recommandé par son Excellence le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le commandant du théâtre centre de l'opération Maliko, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, était en visite de terrain du 20 au 22 avril 2022 dans le secteur 5 de l'opération, notamment à Ségou. Le but étant d'encourager et de récompenser les femmes sur place, le président Assimi Goïta a fait une surprise à ses forces armées maliennes, une surprise qui est de nature financière notamment. Les détails après le générique. Accueilli par le commandant du secteur le colonel Youssouf Oumar Cissé, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké et sa délégation se sont tout d'abord imprégnés de la situation sécuritaire du secteur. C'était au centre des opérations du poste de commandement de Ségou, cela à travers une vidéoprojection. Au cours de son premier séjour dans le secteur, le commandant du théâtre centre de l'opération Maliko, accompagné du commandant du secteur 5 et plusieurs officiers, s'est rendu dans les camps de Niono, Massina, Diabali, au checkpoint de Sarakala et d'Alatona. L'objectif de ces visites était de s'imprégner de la situation opérationnelle, échanger avec les hommes sur les difficultés rencontrées dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées et leur donner en retour des instructions et conseils nécessaires pour atteindre les objectifs du plan d'opération Maliko, mais surtout pour leur rendre une somme énorme envoyée par le président Assimi Goïta pour les encouragements. Ces objectifs sont la neutralisation de tous les groupes armés terroristes, le retour de l'administration et la reprise des activités économiques et politiques, entre autres. Il a transmis aux hommes les encouragements et félicitations du commandement et des autorités militaires. Le commandant du théâtre centre de l'opération Maliko, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, a évoqué, lors de ses échanges avec les hommes, le renforcement des capacités opérationnelles terrestres et aériennes, les récents et aéronefs des FAMA, grâce aux efforts du gouvernement et du peuple malien. Il a instruit aux hommes l'application des règles tactiques et techniques apprises au cours des différentes formations et le maintien en conditionnement des équipements.